glisse tes mains pour défier les étoiles et mêler nos voix. Ouvre ces blessures et regarde-moi. Mon corps meurtrier, le canevas du destin. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube. Ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves, brillant de larmes. Remonte dans la piste, j'avance sans crainte et poursuis sans relâche. Cœur insoumis, passer la colère, la mélancolie. Je viens guérir la chaleur de ton étreinte, de mes songes. Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir ma destinée, ou si nos seuls liens sont l'œuvre du djinn. Quand j'ai fait mon vœu au milieu des ruines, ton amour est-il le reflet de ta pensée, de mes songes? Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauves, brillant de larmes. Actions haunt my days. Every man I've slain is the price I pay. Endless pain. Close your eyes and spare yourself the view. How could I hurt you? I'm just a man who's trying to go home. Fighting for his life. Deep down I would trade the world to see my son and wife. I'm just a man. But when does a comet become a meteor? When does a candle become a blaze? When does a man become a monster? Become a tidal wave. When does the reason become the blame? When does a man become a monster?
Et oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Isoa, bonsoir Ziliona. Musique vénère qui démarre. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour du Elden Ring. Ouais, Wastebot, arrête de nous pourrir nos journées. Bière. Bière, j'ai croisé un qui s'appelait Draftbot. Mais t'as copain, toi. Ah oui, les bots sont tous frères et sœurs, mais évidemment. Bienvenue. Hello, Naked Fish. Hello, hello. Ça, c'est un peu cette musique appréciable. Cette musique incroyable. Incroyable musique de Metal Gear Rising. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Oui, on est faux, nous sommes tous des robots, sachez-le. Évidemment. Toute personne vivante est un robot. Et puis quand il y a Elmo? Mais il y a Elmo depuis longtemps. C'est quoi cette emote de canard? Elle est incroyable, cette emote de canard musclé. Attendez, on va se mettre la vraie. Voilà. La vraie musique. Hop, le temps que Elden Ring démarre. Doum, doum, doum. Doum, doum, doum. J'ai abonné les bonnes personnes pour mes emotes. Ouais, bah oui, je vois ça. Vous êtes équipés à toute situation, à toute éventualité. Yeah, it's what make you play. Une vraie musique incroyable, hein, évidemment. Si vous n'avez pas joué à Metal Gear Rising, jouez à Metal Gear Rising. Je l'ai fini en n'étant pas en live, mais incroyable ce jeu. Jusqu'à la fin là, les nanomachines son. Ce genre de phase est incroyable. Hymns, the DNA of soul. Exactement. Et Sam, quel personnage incroyable, Sam. J'adore ce perso. Sam the best, mais oui. L'oncle Sam, s'il était un samouraï, évidemment. Campagne de Sam, j'ai trop du mal, c'est dur. Ouais, franchement. Franchement, c'est dur. Ah oui, j'ai fini Alien Isolation. Alors, je t'ai bien conseillé ou pas? Il est horrible le jeu. Je sais pas, moi je l'ai pas encore fait. Donc je peux pas vous dire pour l'instant. Mais j'aimerais bien le faire en live pour le coup, Alien Isolation. Mais je vais peut-être me le garder pour le prochain... Pour le prochain Téléthon Gaming. On va peut-être se faire ça au Téléthon Gaming du Alien Isolation, ça peut être rigolo. Mais là tout de suite... Il est temps de retrouver Arne au château de Voilorage, toujours en slip avec ses deux katanas. Ouais, pas ouf le jeu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le goût. Le goût. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que j'ai d'équipé? Arne le vêtu. Voilà, Arne le bien vêtu. Arne le bien vétuste. Et oui, j'avais dit que du coup, il fallait qu'on fasse un build Force Dex. Il va falloir qu'on fasse un build Quality pour faire le build que je souhaite faire.
On aura du coup notre katana qui est pour l'instant notre katana principal, qui sera plus tard notre katana secondaire, qui laissera sa place à un katana qu'on aura plus tard dans le jeu. Mais du coup pour l'instant on est avec ce katana qui quand je me rate pas. Voilà, quand je me rate pas, il prend feu. Voilà. Hier j'ai trouvé un gars sur Discord, il s'appelait Draftbot, ça devait être un copain de... Oui, c'est normal. C'est normal, tous les bots sont catégorisés comme des bots, c'est une chose normale. Bon, voyons si on est toujours. Voilà, s'il faut qu'on se... Et eh ben c'est super la reprise du jeu, dis donc, ça se passe super bien. Et d'ailleurs j'ai oublié de faire un truc. Là vite fait là, j'ai oublié de faire un truc là. Voilà le petit discount qui va du coup passer à 48 au lieu de 47. C'est allé vite hein. C'est allé vite. Allé vite, un vrai plaisir évidemment. Voilà. Hype. Hype, c'est le décès. Ascenseur, je sais plus où il mène l'ascenseur. Je sais plus rien, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest, je me suis tenu loin du jeu trop longtemps. J'ai pas pu faire de live pendant 2 semaines et puis bah ça y est quoi. Ça y est, il se passe des choses dans ma tête. Allons-y. C'est où ça? C'est quoi par ici? Les jarres. Ah, il y a un gros monsieur Jarre. Bonjour. Faites pas attention à moi. Oh. Ah putain, mais si t'es pas agressif, il t'attaque pas en fait. Ah si. Ah si, il t'attaque totalement, on se casse. Ils veulent totalement mon cul. On se tire! Viens pas, je suis à côté d'un bout de truc jaune. Viens pas. Viens pas. De toute façon, tu passes pas dans le couloir. Alors, si je me trompe. Voilà, si je me trompe pas, il y a un géant à gauche. Aïe. Feu. Ça a arrêté 2 minutes. Par contre, dans le coin, il n'y avait pas des aigles. De mémoire, il y a des problèmes. Hein. Ouais, c'est ça. De mémoire, dans le coin, il y a des problèmes. Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Okay. Oh. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. C'est pas. Alors attendez. Si je ne me trompe pas, warrior, like... ça doit être la fille de Gideon Ofnir. How utter grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric,
Fille adoptive, je crois. Oui, c'est fort possible. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guide down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies, as fellow down whatever. Oui, c'est possible que ce soit sa fille adoptive, ouais. Je me rappelle plus exactement de qui elle est. Aïe aïe! Il m'a one shot! Et bah ça s'est super bien passé! C'était incroyable! Ah, nous passons à 49 morts. Alors que j'étais en mode oh trop bien, very good! Very good, je l'ai attaqué comme il fallait. Y a pas un... Ah si, oh si, oh oh que si. Il y a des trucs à aller faire là-haut là. Et... Fiche, t'as pas trouvé mieux comme nom d'utilisateur. Izoa, tu peux parler hein. Izoa, c'est quoi Izoa? On se moque pas des gens, Izoa, c'est pas bien. Regardez-le, l'enfant qui se permet de critiquer les gens, là. Ne critique pas. Les cutfish, c'est très bien. Je vais mourir encore. Fait l'aigle. L'aigle il reste en PLS, ça m'a fait très bizarre. Ah les bâtards. Non. Les aigles hein. Les aigles ont envie de crever hein. Qu'est-ce qui est venu dans la tête de FromSoft de créer cet ennemi de con qui est l'aigle. Tombe pas. Je suis tombé. Au dernier live à Elden Ring, on a réussi à faire Margit en étant à Welp. On va pas se faire avoir par un vieux aigle tout pourri. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'aigle par surprise. Voilà! Exactement ça que je voulais faire. Vas-y, viens. Quand il n'y a plus ton pote l'aigle, tout de suite ça fait moins le malin. Il me donne de l'équipement. C'est pas qui je suis, lui. Margit en slip, voilà, exactement. Margit, c'était un jeu d'enfant. Pas du tout. Est-ce qu'en Malenia en slip, oh, bah, ça sera pas pour tout de suite. On va tenter, mais ça sera pas pour tout de suite.
briquet de forge. Hop. Oula. Oula le jeu. Oula le jeu c'est bon. Non mais Malenia, en fait, je ferai un compteur de morts à part, juste pour le nombre de morts sur Malenia. Parce que ça, ça je veux voir. Ça c'est... Il y aura mon compteur de morts qui est là actuellement, qui augmentera bien évidemment avec les morts de Malenia. Mais je veux voir combien de morts je mets sur Malenia, parce que ça va beaucoup me faire rire. Sachez qu'il y a des gens qui ont beaucoup de skills qui l'ont passé dès la première fois. Hein. Par exemple, Mister MV. Mister MV, son passage de Malenia, c'est... Ah, c'est... C'est du vol. C'est tout simplement du vol. C'est gun try, mais la magie c'est de la triche. Bon non, en vrai. La vraie triche, c'est les builds de force. Ça, c'est de la vraie triche. Tu mets un coup, il y a la moitié de la life qui dégage. Ça, c'est les vrais builds. C'est les vrais builds de la triche. Cercle d'Elden en vue. Ce que vous cherchez n'est sans doute pas loin. Ah. C'est Rogier, ah oui, ah oui, oui, oui. C'est par là qu'on accède ? Oui, ça va être par là qu'on accède. Hop. Hop. Faire un signe droit devant. Comment ça faire un signe ? Espoir ou espoir ? Ne pas tomber dans le vide, ne pas tomber dans le vide, ne pas tomber dans le vide. Oh, ça, c'est un gars qui a fait un saut et qui est mort. Oh, la tristesse. Oh, la tristesse de cet homme. Une dorée 5. Let's go. J'habitais à Orlando. Bah, c'est cool. Mais t'étais pas déjà aux États-Unis. Je vois pas qu'est-ce que ça change, Orlando. Ouvrir. Reposer. Tu avances dans Zelda ? Non. Non, toujours pas. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé parce que j'ai pas le temps. Pas le temps. Faut faire des choix dans la vie. Si, mais j'habitais à 2 heures d'Orlando avant. D'accord. Et le fait d'être à Orlando, ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? J'ai cru qu'il m'avait one shot pendant un moment. Mais on sait où deux. Ça va tranquille Batman là. Tu as 18 minutes de Walt Disney World. Ah d'accord. Ah oui, c'est à côté d'Orlando, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Ah bah, c'était sûr, j'allais descendre un peu. Allez, venez là. Ça a volé, non? Ramenez-vous. Elles envoient voler le décor, je sais pas ce qu'elles font, mais... Gogolise. Gogolise. Bon. On vient me chercher ici. On va me chercher. Temps de faire un aller-retour. La petite pierre de forge et on se casse. Bon, j'ai des gros doutes sur ma capacité à fumer le mob qui va arriver là. Tu
futur Skaven. Il va devoir sans armure, il va être intimidé, l'Astico. Ouais. Ouais, j'ai des doutes quand même. La Viperia. Je sais même pas ce que c'est cette fleur. T'as tué Rémi, j'ai fumé Rémi. Le petit cuisini. Location vindicative. Right. Et y'a rien d'autre à récupérer, donc bah. C'est parti! Et bonjour! Aïe aïe! Ça commence super bien ce fight! J'étais bloqué dans le mur. Je l'ai pas tapé une fois. Et bah c'était très agréable. C'est en haut de la super grande échelle derrière ce boss que tu as plein de messages en référence à MGS3. Ah ouais? Rip. Ah ouais, non mais là... L'échec était cuisant. Le boss nous a clairement dit de rentrer chez notre génitrice de manière rapide. Prochaine. Il y a la maman qui revient. Voilà, ça c'est réglé. Rebonjour. Aïe aïe. J'ai voulu esquiver dedans, je me suis totalement raté. Aïe aïe. Un peu chaud, je vous avoue. Allez. Pas fou. Pas fou ce second try. On l'a emmené loin. On l'a emmené loin. La barre de vie n'était pas si folle. Mais chiant. Oh, j'ai fait une speedrun de Zelda. 3h04min et 46 secondes. Je sais pas si c'est un speedrun, mais...
Faut voir. T'as regardé un peu les times de speedrun de Zelda? Corps du monde, c'est 1h30. C'est pas possible. Je suis sûr et certain que c'est moins. Pour des jeux comme les derniers Zelda où tu peux t'amuser avec la physique, à mon avis, tu dois avoir des records abusés. Oh, le petit rat qui me saoule. Mais j'étais derrière. Oh ouais, d'accord. Oh, je suis mort. C'est passé en sautant, lol. J'avais pas regardé ce que je faisais. C'est génial. J'ai 2 PV. Et je suis mort. T'as pas causé à toi. En plus, d'où t'es modo? Bah parce qu'il a le droit. Et parce que j'en ai décidé ainsi. Maintenant, si tu dis des dingueries, il peut te ban. Fais gaffe. L'embête pas. Allez hop, les petits rats, ça redégage, la mamora. Ouais, si. N'importe quoi. Vas-y, à chaque fois je me retrouve sur un petit truc de con là. Hop là! Voilà, le saut ça marche bien contre ça là. Faut sauter contre les coups de queue. Aïe aïe.
direct. Ok, moi j'avais pas vu ce move, je le connaissais pas. Très bien. Très bien, très bien. Nous y retournâmes à 53 morts. Mais j'ai trouvé des strats là. J'ai trouvé des strats. Faut sauter, faut faire tout ça. Doucement, nous nous améliorâmes. Du Zelda en live, je ne peux pas faire de Zelda en live. Parce qu'il me faut des choses qui sont chères pour pouvoir faire du Zelda en live. Ah, quand on arrêtera de me déconcentrer avec des questions pareilles. Surtout, je crois que je t'avais déjà répondu à cette question-là en plus. Je peux pas faire de Zelda en live parce qu'il me faut une carte de capture externe que je n'ai pas et qui coûte une blinde. Donc c'est non. Les jeux Switch, c'est non. Dans tout autre jeu que des jeux PC d'ailleurs. Trasmo et Rapido, ouais, autant sur Total War. Autant sur Total War, je les aime bien, Trasmo et Rapido, autant ici, voilà. J'ai failli mourir. Et surtout Razmo et Rapido qui me font perdre 2000 âmes, comme ça, gratuit. Oh, le trap qui m'a tendu, lui. Le trap qui m'a tendu. Je te vois, toi, là-bas, tu sais. Pas croire que je me suis pas pris un coup là. Restez frais. Restez frais. Saoulé lui. Ouais. Rien doré. C'est très bien. Ça permettra d'augmenter nos popos. Ce vieux visage décrépit qui, si je ne me trompe pas, est en rapport avec Godric. Avec la mort de... Non. Pas Godric. Comment il s'appelle ? Si, c'est Godric, je crois. Excroissance du prince de la mort. Je crois que ça, c'est la tache de sang où tu vois Rogier. Ouais, voilà. Rogier qui se fait... Qui se fait transpercer par la Malmort, je crois. Genre, il a subi l'affliction de la Malmort. Ça, je crois, c'est genre un truc, genre le corps de Godric, je crois, qui, avec la... Comment dire ? Avec les couteaux noirs, ça a fait un truc. Ça a créé ça. Donc du coup, on disait les refs à MGS3. Ouais.
Ah oui, genre en mode parce que c'est la plus grande échelle du monde, c'est comme l'ascenseur. Bah non, non, c'est pas ça. Le lore, voilà, exactement. Si, grande échelle, grande échelle, hein. Grande échelle, hein. A plus, Isoa. C'est quand qu'on arrive? Ah, ça y est. Pas de message. Yo soy un poquito déçu. J'ai droit à 4 messages en haut avec serpent dedans. Ah ouais? Snake. 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 Snake! Me faire troller par le jeu là. Petit voyage dans les profondeurs. Il est parti. Je crois qu'on a... Je crois qu'on a clean une bonne partie du château, là. Hein. Parce que là, il y a les petits potes... Là, il y a les petits potes en mode défense. À la limite, on pourrait aller voir le lion, mais ça, je me dis, ça sera intéressant quand on aura fumé... Quand on aura fumé l'autre, là. Je suis en train de me dire ça. Godwin, pardon. On raconte que cette pustule proviendrait du visage du prince de la mort, celui qu'on appelait autrefois Godwin. Premier des dieux mi-dieux à avoir péri, il se murmure que sa dépouille reposerait loin sous la capitale, près des racines de l'arbre monde. Et du coup, ça justifierait, enfin, le fait que son cadavre est sous la capitale, donc vraiment à Leyndell et tout. Mais à cause de la Malmort, il s'est passé des trucs et voilà quoi. Bon. C'est parti. Mighty Dragon. Thou'rt a true-born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Il y a beaucoup de doigts, hein. Il y a 6 doigts à la main. Greffet. Ah que bonjour. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, le first strike qui s'envole.
ça a failli être dramatique. Aïe aïe. C'est dramatique. Et je me rappelle plus ce qu'il faut faire pour qu'il fasse sa giga roulade pour venir te chercher. C'est pas en étant à côté de lui. Je me rappelle plus de ses movesets. Pourtant il est bidon. Dieu sait que Grodick est bidon. J'ai failli me le bouffer. Taré, il se tape tout seul. Et dégueulasse. Ah oui, et on est à 55 morts. Juste pas noté. Bah oui, mais qui est con aussi, il se coupe un bras. Truest of dragons. Lend me thy strength. Il utilise même pas les formules de politesse, il a même pas dit s'il vous plaît. J'esquille les flammes, moi, qu'est-ce qu'il y a? Second try.
Godric en slip. We'll return together to our home, bathed in rays of gold. Voilà. Deuxième gros boss passé en slip. Souvenir du greffier. Ajouter une dose. J'ai plus assez de graines. J'ai pas de larmes. Partir les doses. C'est très bien comme ça. Et ben voilà. Bonne chose de faite. On va rajouter de la force. Hein, 20 de force, 20 dex. Le quality build is on the way. Hé hé hé, regardez-le. Dieu droit devant. Que revanche soit. D'abord, ce n'est que le début. Oui, bah oui. Ouvre la porte. Voilà. On a fini le jeu. On est devenu seigneur d'Elden. Clap clap. Clap clap, bravo. Clap, 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 c'est la fin. C'est la fin, on a gagné. Ah. Bon stream, moi j'y vais, bye bye. Bye bye Naked Fish. Merci d'être passé. Le bruit des petits pieds sur le carrelage. Tap 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 tap. Fruit de chabrerie. De grâce, prenez mes fruits. Y'a pas un faux mur dans le coin? Ah, peut-être là-bas. Non. Mmh. Piro piro. Continuons. Elle est pas là, là. La dame qui voit que dalle. Chelou. Par contre,
Nous avions oublié de faire quelques petites choses avant de continuer notre route. Notamment aller voir le petit homme bête qui est sympa. On veut pas t'entendre, on a dit. Oh bah il a eu le temps de sonner l'alerte, l'enculé. Putain, il y a vraiment tout le monde qui s'est ramené quoi. Youpi. Aïe aïe. Donc c'était, si je ne me trompe pas, en traversant le camp. Décidément, vous voulez tous me les briser. Voilà. Mon katana en feu entre tes côtes et rentre chez toi. Si je me trompe pas, c'est ce buisson là. Yeah, you there. Stop pretending. Oh. Oh yes. I remember. Some Claude turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back and I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh, when they threw me out of the cave, and so this is all I have to express my... I hope you can forgive me. Champignon. 10 champignons. If you can afford, I could sneak back into the cave and bring back something, then I'd be of some real use. Right. But I'll need a moment. I'm frightened. My knees start not... Right. Grotte sur la côte, ce qui nous donne l'indice que il y a des trucs à faire par ici. Ce qu'on va aller faire tout de suite. En allant au commencement. The Beginning. Oh, un géant.
Le géant, c'est réglé. Après, il y a ce truc là. Raté. Raté encore. Voilà. Chien. Ennemi faible. Chien, quelle surprise. Parce que les gens ont avec les animaux dans ce jeu. Et tout est un chien. Est-ce que j'ai une torche ? Non, j'ai pas de torche. Alors on va y aller comme ça. I've let you down. Bonjour, je suis un giga débile. Bah alors, c'est un PNJ, hein. C'est un PNJ qui certes a une quête, il existe tout ça, mais c'est pas un PNJ important, donc bon. C'est triste, mais nous vivrons avec, que voulez-vous que je vous dise ? J'assumerai l'erreur d'avoir tué Brock par inadvertance. Je les entends. Je les vois pas, mais je les entends. Désolé, Brock. En plus, la technique que je voulais tester, elle sert à rien, ça me fait pas de lumière en plus. Je l'ai vraiment tué pour R. J'ai la marque d'invocation dorée. Pourquoi je ferais ça? Je suis solo. Thank you.
J'ai un nécessaire de couture maintenant. Se sort de là. Les chèvres qui font des roulés-boulés. Il manque 2000 âmes. Attendez, j'ai plein de runes. Peut-être pouvoir s'arranger. Voilà. Je crois que c'était tout hein, ici, hein. Il n'y avait pas... Je crois pas qu'il y avait d'autres choses à trouver dans le coin. Alors, peut-être là j'entends un scarabée là, enfin, un bousier. Forge sombre. Rien de fifou. Pingouin, est-ce qu'il saute dans la flotte? Vas-y, jump. 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 Il saute pas, les pingouins. Ah si. Non, c'est pas un pingouin, ça. Voilà, c'est pas des pingouins, ça vole. C'est nul. Au revoir notre forgeron préféré. Go to Gorank only if you feel the time is right. Is a path not to be trod without ample resolve. We meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move. So. À propos du cadavre sous voile orage. Misshapen corpse under Stormveil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erdtree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked,
And if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. A pierre de Rougier. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Greetings. My name is Roderica. Isn't this place in the Round Table? I never knew, although... Blah, 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 blah. It's all a bit... I'm still looking. Et voir le forgeron. Now, those are of a challenger who's fine and well. Okay. Roderica, blah, 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 blah. All of it. I'm still looking. You're telling me? I don't believe. If I do, I suppose I'll ask Ma certainly. I know he. I can tell. Back already. No matter. The cup. Who'd stay with an absurd? I refuse. I don't. Voilà, c'est bon. Back already, no matter. Oh, je peux faire monter le scaling. Oh bah. Back all no matter. C'est vrai que c'est 20 000 à main, ça. Ça nous permet de power level vite, hein. Et le souvenir du greffé, en vrai, j'en ai pas tant besoin que ça. Parce que ça permet d'obtenir, je crois... l'arme de corps à corps avec la tête de dragon dessus. Et je crois que c'est tout. You are a mere visitor, house guest. Yet to remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Cet endroit est ouvert. Extase des deux doigts. Ils sont dégueulasses. Are you? Yo du slip. Yo Lily. You've done well. I am Enya, the Finger Reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer.
Let their wisdom wash over great Elden Ring. Anchor of all lands until it was the tragedy. Bla 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 bla, récupérez tout. Magique Fiac. Comment ça, Magique Fiac? Are hewn by the earth tree upon their misery and shine the finger. Acquérir le pouvoir des souvenirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le sien? On peut avoir la grande hache. Magnifique. Je voulais dire ça. Merci pour le follow. J'ai pas vu le nom, j'ai vu Ink à la fin. J'ai pas vu le reste du nom, mais merci pour le follow. Dragon greffé. Point contendant. C'est bien cette arme. C'est bien cette arme. Parce que se battre au corps à corps, moi je dis oui. Dragon greffé. Scaling en force, apparemment. Cette arme ne peut être maniée à deux mains. Oh, c'est dommage. Dommage que tu puisses pas avoir une tête de dragon dans chaque main. Ça aurait été stylé. Je te mets en off, j'entends pas tout ce que tu dis. Je peux pas mettre fort, mais je regarde. D'accord. D'accord, Lily, on met pas fort. Non, mais je parle pas trop fort. Bon, bah, je pense que le souvenir de Godric, on va le vendre. La hache m'intéresse pas et les armes de corps à corps mais de corps à corps genre point c'est comme les dagues, je comprends l'intérêt de taper vite mais bon, voilà quoi. Donc 20 000 âmes s'il vous plaît monsieur, merci. 28 000 âmes, ça fait 3 level up qu'on va mettre en constitution, en vigueur, pardon, pas dans D&D. On va mettre un là et deux là, voilà, sans notre force et notre dextérité à égalité. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion. I've lost count of them, honestly. Voilà. On a fini notre petit tour à la table ronde. On a fait ça. On n'est pas allé faire tout ce qu'il y avait au sud, là. On allait faire ça. On va aller faire ça. En mode est-ce qu'il s'est retourné pour venir me chercher? Non, ça va. Oui. Oui. On vole. Oups. Fait le lignée solaire. I think.
aïe aïe. Para 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 para. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. La notif The Bee. Bon ça. Bon ça y est pas la notif. Et c'est pas ça. Dashboard. C'est très blanc. C'est très blanc la dashboard. Mes yeux. Hello there. Ah. Hello there. J'ai entendu. Merci pour le prime Lily. Merci, merci. Regarde, on va se la passer deux fois parce qu'on est des tarés. Hello there. Ah, on s'amuse. Hein. Ouais, merci à Luna Martinez Inc. qui a follow. Tic, voilà. Voilà. Je t'en réparerai. Je t'en réparerai. Je t'en réparerai. On y retourne. Si je ne me trompe pas, ouais, voilà, grâce ici. La péninsule. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Oh tiens, un samouraï. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a un mec à poil? Bonjour monsieur dame. Bonjour madame. Hello. Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. The servant's dead. Bla 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 bla. Mon papa, il travaille au château qui est là-bas. Est-ce que vous pouvez aller le voir? Lucien's come. I fear it's new. Please. Would you mind taking my soul wish, please? Thank them, please. Deliver it to my... Good job! Good job! Wow! Merci pour les 100 bits, Lily. Thank you for les 100 bits. Good job. Ce petit son, il est incroyable. Good job! Est-ce que je l'ai toujours dans ma soundboard, d'ailleurs? Good job! Oh là là, il t'a un petit beats doré. Waouh. Ça s'affiche dans le chat. Je savais pas. Aïe aïe. Et... Le petit beats pour un grand monsieur. Merci. Oui. Oh, je t'ai senti venir à des kilomètres. Oh yo, Fufu. Allez, Fusion. How are you? J'ai trop hâte d'être à vendredi, bon dieu. Vendredi, je fais du D&D.
viens, viens. Hop, salut. Je voulais t'en parler. Ah, du D&D ? Ah. You are very excited. Dans ce que session nous réserve. Ah bah là, là va y avoir beaucoup de... Là, ça va être beaucoup d'exposition. Hein. Là, Flo, il va sortir de la session, il aura mal aux mains. On aura des trucs à noter. Aussi, j'ai hâte, wesh. Je connais, hein, il est pas content. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et bah c'est la 56e mort. Je m'attendais pas aux dégâts de saignement, hein, je vais être honnête. Je veux du teasing. Tu veux du teasing? Oh my god. Il y avait du teasing. Qu'est-ce que je peux dire en teasing? Bah vous allez découvrir un petit peu plus les liens entre les différents personnages des gardiens. Pour commencer, il y a un géant là. Oh bordel, je casse. Vous allez découvrir un petit peu plus qu'est-ce que sont les liens dans ce groupe. Qu'est-ce qui les a amenés à rejoindre les gardiens aussi, si ça vous intéresse. Hein. Évidemment, ça sera à vous d'essayer de. Enfin, c'est si tout ça vous intéresse, ils vont pas venir et vous déblatérer tout leur lore à la gueule, tu vois. Faudra leur demander. Alors voilà, il y aura ça qui pourra se passer. Il y a la visite de la tour aussi, avec les différentes choses qui la composent, comment elle fonctionne, tout ça. Mais ça, ce sont d'autres choses et d'autres personnages qui sont dans la tour, voilà, que vous n'avez pas encore rencontré. L'amphibiel, il me fume. Ah, Graine, elle a incroyable Graine. Graine, c'est le meilleur perso. Graine, je voulais que ça soit le petit truc mignon, mais qui est en mode... Vas-y, j'en ai marre. J'en peux plus de tous les débiles. Je suis obligé de tous les soigner, là, ça me fatigue. C'est un chopper, mais le chopper qui en a marre, tu vois. Épée bâtarde. Pas très gentil. On monte les PV maximum 100, on va prendre ça. Je me fais taper dessus hein, quand même. Voilà. Si je gagne au loto, j'achète un local dédié au D&D et je t'engage en tant que game master. Et bah let's go. Moi je suis grave chaud. Je suis grave chaud pour faire ça. Et les coups critiques restaure des PV, ça peut être pas mal ça. Voilà, quoi dire d'autre? Si on a le temps de faire plus que la tour, vous allez faire un peu de quête secondaire en direction de votre quête principale, et puis voilà quoi. Hein. En direction de ce qui va peut-être être votre...
future quête principale. J'ai failli me prendre un sacré poteau dans le cul. C'était dramatique, il me faut la carte. Arrêtez. Arrêtez de me lancer des pylônes électriques là. En plus, c'est à tête chercheuse leur merde là. Je suis fan des quêtes secondaires qui servent de fou au développement de personnages. Il va se passer des choses. Non, ça monte ici. Est-ce que ça monte? Ça monte pas. Ah, peut-être de l'autre côté par contre. De l'autre côté ça monte. De l'autre côté ça monte. Je suis jamais allé ici. D'accord, c'est juste une entrée. Bon, très bien. Par contre, il arrive à tirer ici, l'autre, là? Ah ouais. Il tire de loin, lui. Eh, tranquille, Sniper King, j'arrive. Calme-toi. Ta-da-da-t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 a-
risque d'arriver vers 19h-20h. Ok. De toute façon, ça sera garde-mots, hein, je crois. Je crois que le plus proche de chez Flo sera sûrement garde-mots. Pas dit la ville exprès, bon, on s'en fout. T'sais, y a Lily et toi qui regardez, donc. Olé, olé, olé! Oh, terrible. Il m'a emplumé. C'était au cas où. Oui, bah oui, t'inquiète pas, va. T'as pas demandé un jet d'acrobatie? Non, pas vraiment, non. Il m'a pas demandé si je voulais amortir la chute avec ma tête. Récupérer nos âmes. Je savais même pas qu'on pouvait taper en étant sur les échelles. C'est vraiment... Je suis bison futé, bonjour. La plume d'Indien qui est beaucoup trop grande. En plus, c'est pile dans mon chignon, quoi. Une shot sur trois ennemis en même temps, qu'est-ce que c'était satisfaisant ça? Allez,
Ça dégorge. Bonjour monsieur. There's a face I've not seen. I'm Edgar. You can see how the menials, they gave me good sal creep. I'm sorry, but whatever. Take this. I see, thank you. La lettre de votre fille. To ensure the truth. If you see Irina, her father will come for her. Et là, il nous dit, oui, ils ont pris la giga grande épée de Monseigneur. Je peux pas laisser ça comme ça. Blablabla. T'inquiète, si c'est que ça, papy, on s'en occupe. On se repose. On y go. J'aurais pu mourir sur cette action. Allez. C'est que ce cauchemar là. Elles sont très sensibles au feu. BM. Glissement dans la lame double. On va se drop en bas. Là, il y a un insecte rouge, si je dis pas de bêtises. Bon, on passe de l'autre côté. Et
on va prendre le raccourci. C'est par là! Allez, c'est parti! First try, lol. Je m'attendais pas du tout à le first try. J'ai même pas regardé sa barre de vie en fait. Ok, alright. Bah ça me va. ça me va. Je peux remonter de celui-là ? Ou est-ce que j'ai besoin de vraiment revenir au tout début du château ? Mais non. Ça passera pas. Par contre, on va peut-être faire une montée de niveau avant de retenter. Voilà. Et on va retraverser tout le château. Pour dire hé, hey, c'est bon, je les ai fumés. Tu peux aller retrouver ta fille. Qui est en fait décédée, mais ça tu ne l'apprendras que plus tard, monsieur. Que citrouille, tiens. On peut se mettre un casque de citrouille si on veut. A welp mais avec une tête de citrouille.
si chiant ce mob. Debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Irina, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Thanks to you and devote my Irina has a I only hope. Et on passe direct à la scène très triste. Oh bah malheureusement, la petite dame. Voilà. Jean le connard. Irina, how could this be? My daughter deserved better. Sniff. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. I'll find them. The foul wretches. I'll hunt them down. Rest assured. I'll hunt them down. 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 I'll hunt them down. Et plus tard, bah, il va péter un câble et on va le tuer. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les Souls. Alors par ici, il y a... l'arène des semi-humains, si je dis pas de conneries. Ah, qui va être juste là. Bonjour! Gratuites, hein. Ils bougent plus, c'est des armes gratuites. Il y a un truc pour monter, ça va peut-être me donner accès à l'église. Oh merde. Oui. C'est bon.
l'église des pèlerins. Mélina. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, then, after thy death, return to the lands between. Wage war, grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. Ennemis à la torche, hein, les pires ennemis du monde. Après les aigles. Ah, d'accord, des ennemis qui sortent du sol ici. First try. Et bim. Donc ça on est good. Il y a juste cette. Si, il y aura la prison aussi là. Il y a une geôle, je crois. Attends, on va mettre. Repère là. Un repère là. Et je crois qu'il y a un marchand ici. Et peut-être un truc ici. Je sais pas, j'ai l'impression. Sur la map, on dirait qu'il y a des choses. On va aller aux deux d'abord. Oh, il y a un jumping puzzle pour descendre. C'est maintenant que je vais mourir comme un teubé. Ça
sais que cet endroit qui pue le zboob. Foudroiement. C'est bon. Ah voilà, ça que je cherchais. Je me disais, putain, c'est bizarre, il n'y a pas l'entrée. Galerie devant hurlant. Je crois que je suis jamais venu ici. J'avais jamais vu avant qu'il y avait une grotte dans le coin. Faut juste vraiment regarder la carte d'Elden Ring et marquer les trucs qui ont l'air intéressants. Pas tomber comme ça, monsieur. Alors, tu vas te calmer, ce... Comment ça suffit, ces conneries, là? Les semi-humains, là. Ce mi-humain qui me met des tartes pas possible. Se calmer tout de suite, hein. J'ai eu si peur. Cher exalté. Ok. Ça, c'est une pierre de forge sombre, ça. Voilà. Ça c'est bien, ça, ça c'est bien. Que dalle. En perspective, rien d'intéressant. De l'autre côté, j'imagine.
Ok, le boss il est là. Il y avait un tonneau explosif et je l'ai tapé avec du feu. Super. Du coton doux. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme boss ici? J'ai pris extrêmement cher. Mais voilà. Encre rouillée. Qu'est-ce que c'est que ces trucs encore là? C'est pour Mail Nautilus, ça, je reconnais ça. Je reconnais ça, c'est League of Legends ça. N'importe quoi. Qui va se battre avec une encre? Les pro players. Pro players, minute 1, ils vont chercher la... Ils vont chercher l'encre. Ça passe là. Ah, y a la grosse ding-dong. Y a des trucs ici? Il y en a un deuxième. Oh putain, je l'avais pas vu.
les avais pas du tout vus. Faux ailé. Ah, c'est pas le... C'est pas le chevalier de glace ici, genre. Je crois que ça me dit quelque chose. Restait un PV. Je suis un peu deg. Il lui restait qu'un PV. C'est notre 58e mort. 58. J'ai pas eu le temps de me soigner. 59. 59e décès. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe.
s'en dégage. Troisième try. Sceau sacrifié de Radagon. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, augmente la vigueur, l'endurance, la force et la dextérité, mais également les dégâts subis. Qui ferait ça, je veux dire? Qui l'utiliserait, je veux dire, qui serait assez con pour utiliser un objet qui augmente les dégâts que tu subis, quoi? Genre, vraiment... On va tester. On est là pour faire un build débile. On est là pour faire un build débile. Quatrième église de Marika. Un truc ici aussi. Oh, voilà la tour. Je peux enfin rentrer dans notre pays baigné de rayons dorés. Si tu le dis. Bonjour. It will do no. C'est pas. It will do no good. I swear it. C'est pas celle qui nous apprend la magie au début? Je peux l'aider.
Ouais, c'est bon, j'en ai marre de t'entendre souffrir là. Been an age since I. How can I help? Une lanterne. Oui. Cendres de guerre perdues. Double oui. La Zweihänder. Du coup, allons voir la magicienne du début, parce que vraiment ça me fait bizarre de... J'ai l'impression que c'est elle, mais... T'es là ? Bah voilà, Selene la sorcière. Young apprentice, you are a tadpole when it comes to magic. Infantile. So, to become a sorcerer, first... No. Truc qui me dérange, là. Selene la sorcière. Il y en a combien des Selene la sorcière? Attendez. Selene prison. Hmm.
Maybe. Ça a l'air bien nul comme série de quêtes. Donc on va pas s'y intéresser, hein, je vous avoue. Apparemment, alors en gros, il faut aller en Lurnia, faire la partie du volcan, trouver un vieux mage là-bas qui te donne un sort, puis tu vas revoir Selene. Puis tu vas en Kaelid, puis tu récupères un autre sort, puis tu vas la revoir. Long, chiant et pas intéressant, je suis pas un mage. Donc voilà. Voilà. Du coup on a fini avec cette zone, hein, je crois. On va aller voir la tour là-bas. Et sûrement se laisser là-dessus, je pense. Sûrement qu'on va se laisser là-dessus. Catapluck, allons voir la tour. Tour du retour. C'est les porteurs se referment sur vous. Ah, c'est pas celui qui retourne, qui va à Lendel. Pas celui où il y a le. Ah si, c'est ça. Ah, bienvenue en bas de l'arbre monde du coup. Bienvenue à la fin du jeu. bienvenue à la fin du jeu. Et c'est là qu'on découvre que la map est gigantesque. Thank you.
un moment. De revenir au milieu là. Il est loin là. LOL. Il s'est suicide. Ça compte? Est-ce que ça compte? Ah, ça compte pas. Passons à 61 morts. Terrible. Terrible, le boss. Enfin, le boss, c'est même pas un boss. Soixante-deux morts. Ah.
bébé. Drop rien ? Vraiment ? Ah, il y a un coffre. Talisman de l'alarme bénie. Restitue progressivement des PV. C'est bon ça. Voilà, bah du coup on a fini l'exploration de ce côté-là et prochaine fois bah, on va pouvoir retourner sur, sur l'Urnia. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il y a ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Il y a la petite mine qui est là. Yura, on lui a parlé, donc faudra qu'on aille voir. Faudra qu'on aille voir de ce côté-là aussi. Bah écoutez, on va stepper au sud du lac d'Aguil et on va se laisser là, monsieur, dame. On va se laisser là, on va se laisser là sur ces 62 morts. Dans un temps, ils ont passé un peu le temps, quand même. Histoire qu'on n'ait pas une météo trop dégueu. Voilà. Bah écoutez, ce fut un plaisir d'animer ce stream avec vous. Prochain stream, nous finirons du coup la petite mine, la rencontre avec le doigt de la mort avec Yura. Et une fois que ça c'est fait, bon, on sera ready pour commencer l'Urnia, la deuxième zone, avec l'académie de Raya Lucaria et tout ce bordel magique. Voilà. Bah sur ce, alors attendez, je nous retrouve la petite musique de début de stream. Petite musique de début de stream, petite musique de début de stream. C'était Wolvenstorm, je crois. Wolvenstorm, cringe. Voilà. On est bien là, on est bien. Quitter la partie. Revenir sur le bureau. Voilà. Et écoutez, ce fut une très bonne soirée pour ma part, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à jeudi. Ouais, jeudi, mais ça sera sur la chaîne d'Ixigion pour la suite de notre campagne Skaven avec Snitch et Ikit. Snitchikit. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part ça. On se retrouve jeudi. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et passez une excellente fin de soirée. Ciao, bye bye. Et à jeudi. D'ailleurs, Fufu, cette musique-là, c'est un petit teaser. C'est un petit teaser et tu verras vendredi. Voilà, des bisous. De mes songes, tu